Dorothée, c'est une sacrée Madeleine de Proust hein, sur le club Dorothée pour les gens qui ont fait ma génération. Et le lycée d'offre a pris des souvenirs d'ailleurs. On va montrer quelques images. Merci. Évidemment qu'on va montrer des images. Peut-être la salle des machines. Oui, on trouve de tout la salle des machines. L'autre jour, j'ai même trouvé un maillot de bain de Valériane. C'est pour dire. Par rapport aux autres films d'avant, est-ce que quand t'écris, parce qu'il faut être quand même sacrément oiseau pour écrire un film comme ça, parce que tu dois faire plaisir et à ton public, et à ceux qui ne te connaissent pas, qui vont y aller, et dans le cinéma français, quand on fait une adaptation, on décide de ne pas aimer avant d'avoir vu le film. Donc est-ce que du coup, ça t'a demandé d'être plus rigoureux sur l'écriture? Comment ça s'est passé? Effectivement, le gros défi de l'écriture, c'était ça. C'était que le public qui aime bien nos films, qui est plus jeune, qui ne connaissent pas Nicky Larson, mais qui ont aimé Baby Sting, Alibi.com, tous nos films, ne se sentent pas trahis. Ça, c'était notre priorité. Donc c'est pour ça que le film devait être drôle avant tout, et c'est une comédie. Et on voit, il y a eu beaucoup d'avant-premières, le film leur plaît, donc on est très soulagés. Ils kiffent autant, voire plus même que les autres. Après, effectivement, il fallait aussi qu'on fait partie de la génération Club Dorothée, donc que les gens qui connaissent le manga ou le dessin animé ne soient pas déçus. Et de toute façon, sans ça, on ne pouvait pas faire de film, parce que le créateur du manga, Tsukasa Ojo, avait un droit de regard. Donc si le scénario ne collait pas à l'œuvre originale, il n'y avait pas de film. Donc voilà, la grosse difficulté, ça a été de mélanger tout ça. Donc c'est un film de la bande avec l'ADN de Nicky Larson. Et tu flippais jusqu'au, parce que je sais que j'étais là au Comic-Con quand les fans étaient les vrais fans de Nicky Larson. On a senti au bout de 5-10 minutes quand t'as parlé, le soulagement dans la salle. Il va pas se foutre de notre gueule. Allez, mais est-ce que c'est quelque chose que... Quand tu faisais ce film-là, est-ce que toujours tu avais cette épée de Damoclès en train de te dire « Je vais être attendu au tournant par les gros geeks de service » ou est-ce que tu fais comme Alibi Babysitting et tu laisses filer le truc et après... Mais non, mais pour te dire la vérité, au tout début, nous, quand on annonce le film, moi j'annonce juste une photo du scénario, moi je suis trop content, je suis en patate. Et en fait, on m'a expliqué après que quand tu fais une adaptation, t'as des gens qui, de principe, mais c'est toutes les adaptations, sont pas contents. Et nous, on s'est retrouvé en top tweet pendant 2 heures avec Nicky Larson. J'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont pas contents? Mais je m'attendais pas du tout à ce que ça déchaîne les passions comme ça. Et ce qui est formidable, ce qui est génial, c'est que du coup, tous ces gens, enfin beaucoup de ces gens sont venus à toutes nos avant-premières, là, continuent de voir le film ou quoi, machin. Et ce qui se passe, c'est juste fou, c'est juste incroyable, c'est que je reçois plein de messages d'excuses, de trucs, putain, on aurait dû attendre de voir le film avant de parler ou quoi, machin. Donc c'est marrant, c'est touchant, franchement, et ça fait plaisir. Comme je dis, c'est mieux dans ce sens-là. Il vaut mieux que les gens aient du scepticisme et aient peur, et après kiffent le film, plutôt qu'ils soient en patate, et après qu'ils voient le film en disant, ah ben en fait, c'est pas terrible. Nicky ? Nicky, debout! Réveille-toi, on a une nouvelle mission! Une cliente a écrit le code sur le tableau! Je te préviens, si tu te lèves pas, c'est moi qui viens de sortir du lit. Ok. Je t'aurais prévenu! Laura, combien de fois je t'ai dit de ne pas rentrer dans ma chambre? T'es sérieux? Alors que je t'ai fait couler un bain? Ouais, mais t'es marrante, toi. T'imagines si j'avais ramené une fille? Déjà qu'on est associés et colocataires, si on respecte pas l'espace vital de chacun, on va pas y arriver. Et tu m'attends encore les filles d'à côté avec ton fusil? T'as vraiment un problème avec les femmes? Je vois pas de quoi tu parles. Ah ouais? Excuse-moi de lire. Mais Hello, toi, t'es arrivé à quel moment sur le projet? Tu l'as regardé écrire? Est-ce que tu savais un petit peu ce qu'il préparait pour ton personnage? Est-ce que tu connaissais Nicky Larson? Parce que quand on voit ton jeu dans le film, je pense à la fin, tu m'énerves, etc., qui sont très très axés manga, beaucoup de références à la Laura du dessin animé. Est-ce que t'as du coup fait des recherches en amont? Est-ce que t'as fait des recherches pour l'écriture? Est-ce que t'es arrivé à la fin avec le scénario? Ok, maintenant je vais jouer ça. Quand ils ont parlé du projet de Nicky Larson, ils savaient pas trop quel rôle j'allais faire, c'était pas encore dessiné sur le rôle de Laura. Et à l'écriture, ça s'est dessiné petit à petit, donc j'étais présente très tôt sur le projet. Et oui, moi j'ai adoré Nicky Larson, gamine, j'étais fan. C'était un de mes dessins animés préférés, avec les Tortues Ninja aussi que j'aimais beaucoup. Ça parle de bouffe, vraiment. Voilà, les pizzas. C'est normal qu'il pleure l'autre.
putain, je te jure, j'arrive pas à dormir. Ah, oh, mais stresse pas. Tu vas avoir une mention comme ça. Ouais, c'est le syndrome de la bonne élève, tu nous fais le coup de pied le brevet. Très drôle. Merci, mon collègue. Il a des larmes, l'autre. Continue. Maintenant, j'ai re-regardé tous les dessins animés. On s'est refait les 140 épisodes. Ah oui. Pour se rapprocher, pour se rapprocher au plus, pour être très juste. Moi, c'est vrai que ça me foutait une vraie pression parce que j'adorais Laura. Je voulais pas décevoir. Je voulais quand même que les gens l'aiment bien. Je voulais pas qu'elle soit agaçante avec ce côté, effectivement, à remettre tout le temps Nicky Larson en place. Et puis, je voulais être assez proche dans les mimiques, mais c'est un personnage de manga, donc je voulais pas trop en faire. Enfin, donc voilà, c'était tout un mixte à faire qui mettait une sacrée pression, mais qui était génial à faire, quoi, au final. Et le film, alors ça c'est la question chiante, mais je suis obligé de la poser parce que le film il a été fait dans l'écriture et dans le tournage en plein moment de la vague Me Too. Et moi ce que j'adore dans Nicky Larson, c'est cet humour un petit peu macho, mais qui fait aussi le grain de Nicky Larson. Quand tu as commencé à tourner, il y a eu cette vague là. Est-ce que du coup tu as dû te calmer sur l'humour dit misogyne, mais c'est l'humour de toute façon de la BD, enfin du manga, ou est-ce que du coup tu t'es dit bah, je fais quand même parce que c'est dans l'âme du truc? Pour te dire la vérité, c'est vrai qu'on s'est dit « Ah, on tombe pile dans la bonne période pour ce personnage qui aime beaucoup les jolies femmes, on va dire, beaucoup, beaucoup. » Sauf que quand tu fais une adaptation, bah, tu es obligé de reprendre les traits de caractère du personnage. Et lui, c'est vrai qu'il aime beaucoup les femmes. Évidemment, on a traité ce trait de caractère, sauf qu'on s'est débrouillé, on a été très vigilant à l'écriture pour qu'à chaque fois, ce soit drôle, amusant, sans jamais que ce soit gênant. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça qu'à l'image, c'est jamais gênant. On a fait beaucoup de projetesses pour vérifier ou quoi, machin. Et donc, tout se passe très bien. Donc, le trait est traité sans que ce soit dérangeant au sujet à polémique, ce qui est très important. Toujours à le remettre en place au bon moment de toute manière. Dans l'émission ce soir, on a le casting de The Walking Dead et on a le fils de Jean Gabin. Donc je fais une émission spéciale sur la bande au cinéma, etc. Est-ce qu'il y a des films qui viennent à l'esprit, que ce soit dans le cinéma classique américain, français, des films de bande qui vous ont forgé? Ah bah les deux Splendides. Les Splendides et les Inconnus. Ouais. Je pense que c'est les premières références. C'est les références. Il y avait aussi les Nuls, tu vois, mais... Mm. Voilà, c'est trois bandes, hein, je pense. Hein. Même toute notre génération, on a grandi avec eux et c'est eux qui nous ont inspirés, donnent envie de faire ce métier. Une scène en particulier On va dire Les Inconnus. Ils ont choisi la même. Ouais. Ah, c'est vrai? Ils ont choisi Les Inconnus? Ouais, Les Trois Frères. Ah, Les Trois Frères, ouais, bah, Les Trois Frères, évidemment. Alors, Les Trois Frères, on va prendre peut-être, je sais pas moi, il est où le cucu, il est où la tête-tête. Et paf, il shoot dans le chien. Pour moi, c'est un plaisir que de sortir choupette. Il est où le cucu, elle est où la tête-tête? La tête cucu. Ah non. Vous l'aimez bien. Ah, je me retrouve complètement dans ce garçon. Sans patate, sans patate. Avance, saloperie. Ne me touche pas. Sans patate, sans patate. Le chien. Et l'eau pareil? Oui, bah oui, Les Inconnus, sinon j'aurais sorti Le Splendide, Le Père Noël est une ordure peut-être. Ah bah, ça t'intéresse, t'as bien? Attends, quel moment? Zizette épouse X. Ah, je comprends rien de toi là, c'est cru, moi leur papier, merci. Hein. Vous avez des enfants, vous? Non, je n'ai pas eu ce bonheur. Vous êtes mariés? Non plus. Oh, bah soyez pas triste, ça viendra, chaque poids son couvercle. Bon, alors, 208-069-280. Eh ben voilà, ça c'est tout la sécu, ça. Ils vous donnent un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Regardez. On a Thomas Njijol qui meurt de trouille puisqu'il sort Black Snake dans un mois avec Carole Rocher. Il est dans l'émission demain. Est-ce que t'as une question à lui poser en face cam? Ah putain, tu me prends de quoi? Quête, réfléchis, quête. Salut Thomas, salut Poto. J'espère que tu vas bien. Donc dans ton film, je vois que tu joues un super héros. Est-ce que dans la vie, t'aurais un super pouvoir, personne ne s'est recourant. Ah, ouais. Merci beaucoup, merci du temps accordé. Et bon courage. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.